Virginie Oswald, ça fait 10 ans que je travaille dans le secteur des assurances, plus spécifiquement des complémentaires santé, que ce soit des groupes de protection sociale ou mutuelles d'assurance. J'ai eu comme responsabilité les directions stratégie, marketing, data et innovation. Je suis là aujourd'hui car je crois vraiment la problématique qui a été proposée par HDID. La donnée, l'utilisation, le traitement de la donnée est un vecteur essentiel de croissance et de différenciation pour l'ensemble des acteurs, que ce soit complémentaire santé ou assurantiel au sens large. Le sujet de la table ronde se focalisait sur le niveau de préparation des complémentaires santé. Alors aujourd'hui, l'important était de comprendre que les mutuelles, les assureurs complémentaires santé n'ont pas accès aux données médicales. En revanche, elles ont accès à un certain nombre de données, qu'elles soient comportementales ou émotionnelles. Et pour que ce soit un vecteur de différenciation et de développement, il faut absolument qu'il y ait un caractère éthique à l'utilisation et à l'exploitation des données et aussi aux cas d'usage qui en sont réalisés. L'enjeu de savoir donner individuel, collectif, pour moi, c'est un faux débat. Puisque aujourd'hui, de toute façon, le collectif passera par l'individuel et inversement, et qu'on voit que la population est prête aujourd'hui à partager un certain nombre de ces données pour les enjeux collectifs.